Salut à tous, on se retrouve, donc ça fait un petit moment. Donc là, c'est pour s'échauffer pour l'ouverture, donc on est 2 semaines avant l'ouverture. Donc on va essayer de faire un peu de poisson dans un plan d'eau privé, surtout du brochet, on va essayer. Donc on se retrouve pour du poisson, enfin bah, j'espère. Allez, à tout de suite. On commence avec un petit weasel shad en 3 pouces de chez Fish Up. On va voir ce que ça va donner. Pour s'échauffer, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai une tape. Je me disais bien, bien souple la nage. Ça me paraissait bien légère à mener. Ah, tape. Oh putain. Une branche. Une pierre, mais... Voilà. Après un accrochage dans des pierres, impossible à les faire. Je peux me faire avoir deux fois, je me suis mis à texte. Par contre, il va falloir faire du gros ferrage. J'ai passé le leurre directement sur... J'ai planté la pointe dans, dans le leurre pour pas me refaire avoir. Ouais, c'est pas mal. Là-bas, sous les racines, en principe, il y a toujours un beau bass. Poisson. Ben voilà. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un petit bass qui a pris une belle morsure sur le cul. Je me disais bien. Donc un rubber jig, là c'est celui de chez Mega Bass avec une croix de chez Fish Up. Et c'est parti, j'ai rajouté 5 grammes, 6 grammes pour que. Et ça repart. J'ai rajouté 6 grammes donc pour que la TP tombe plus vite. Parce que c'est en fait, c'est pas vraiment une TP. Là, sur rubber jig, c'est du plastique avec une bille dedans. Donc c'est super léger, donc ça permet de faire du skipping l'été. Mais l'hiver, du coup, pour pouvoir l'utiliser, bah, je rajoute un plomb et ça fait la différence. Voilà, allez on continue. Donc ça c'est de chez Salmo. C'est un petit crank de chez Salmo, on va voir ce que ça va donner. En fluo comme ça. C'est un silencieux. Toc. En tout cas il pique bien. Voilà.
Ouf. Gros basse. Alors genre, je change, j'augmente ma taille pour pouvoir prendre du broc. Oh putain. Hop, hop là, je suis mort. Là, je vais prendre. Allez, beau. Oh putain. Oh, tarasse. Oh, et je peux pas le prendre à la main. J'ai pas la... Vu comment il est piqué. Doucement. Ouais, il est balèze. Hein. Premier lancé avec le crank. Il y a 40. Donc, voilà, 40 pour ce bobasse. Allez, ça repart. Bon, j'essaie de faire au mieux pour la release, mais c'est pas gagné du tout. Oh putain, cette énergie, 40 cm, mais bien fat, et moi je vais finir à l'eau. Et voilà le salmo, première sortie, premier lancé, poisson. Ah bah, bec couillon. Couleur crow. Oh, c'est incroyable. Deuxième lancé. Là, on est encore plus gros. Là, il y a plus pépère. Oh là 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 là. Oh là là, le monstre. Ah, bon décroché. Ben voilà. Ben, vous l'avez bien vu. Hein. Là, ça faisait le 50, là. Ouais, hey, ce leurre, il est fait pour le basse, non? C'est pas possible. Un truc de malade. Donc voilà, ça y est, on arrête pour aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été trop mal au final, je pensais que ça allait être pire. Bon, en cherchant le brochet, au final, on s'est retrouvé à pêcher le basse. Bon, il n'a pas frayé encore, donc c'est pas trop grave. Et puis, voilà, quoi, du coup, de toute façon, on ne choisit pas, hein, surtout avec le leurre que je pêchais. Donc, au départ, j'ai essayé le brochet au shad de chez Fish Up, le Weasel Shad. Après, j'ai essayé au Fleet. Rien du tout. Je me suis accroché, j'ai cassé, j'ai refait le montage. Je suis reparti, j'ai dit je vais prendre un gros rubber jig de chez Megabass en tête plastique, mais j'ai dû rajouter du poids du coup. J'ai eu de la chance, dans les premiers lancers, je fais un petit basse. Après du coup, je dis bon, bah maintenant bah, qu'on est débordouillé, on va essayer de faire du broc. Donc je suis passé sur un crank que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, que je n'ai pas utilisé, c'était la première fois que je l'utilisais. Donc un crank de chez Salmo là. Silencieux et franchement, bah, premier lancé, basse de 40 et deuxième lancé, juste derrière, un basse de plus de 50. Bon, il se décroche, mais on le voit bien, c'est un magnifique basse. Puis après, sur les autres lancés, beaucoup de suivi de petits poissons, perches, brochets, mais pas d'autres brochets. Et là, le temps commence à se couvrir, donc on va filer. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura mis l'envie d'aller pêcher pour l'ouverture. Et sur ce, on se retrouve plus tard. Donc, sur mon pour l'ouverture, allez, bonne pêche à vous.